Et bonjour à tous, c'est Zom de la chaîne Le Fourre-Tout, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, une nouvelle série de tutoriels, et la première vidéo sur la chaîne. Dans cette série, je vais vous apprendre à coder un plugin avec SpyGhost. Donc, pour coder un plugin avec SpyGhost, vous aurez besoin de connaître le langage Java, c'est conseillé, c'est très conseillé, sinon vous allez simplement recopier le code et pas forcément le comprendre. Et d'ailleurs, à ce sujet, ne recopiez pas le code bêtement que je tape dans les vidéos, ça ne sert à rien. Il faut vraiment comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Enfin voilà, donc il faut comprendre, ne recopiez pas bêtement, sinon vous allez devoir chercher pour chaque truc que vous voulez faire. Et enfin, regardez justement sur mes vidéos par exemple, de regarder comment faire ça, ça, ça et ça. Et recopier bêtement, toujours encore, et du coup, quand vous aurez un problème, vous ne saurez pas comment le résoudre. Voilà. Donc, pour coder en Java, du coup, et pour créer le plugin, vous aurez besoin d'un IDE. Donc, un IDE, c'est un. Enfin, alors, c'est un environnement de développement. Enfin, ça, c'est en français. Mais en anglais, je ne sais plus ce que c'est. Donc, vous avez le choix pour le Java. Enfin, il y en a d'autres encore. Mais en principe, c'est soit IDEA, soit Eclipse. C'est un peu les deux écoles. Et du coup, moi je suis plus avec IDEA, donc voilà. Donc IDEA, quand je lance, ça fait ça. Mais pour coder en SpyGhost, vous noterez bien qu'il faudra SpyGhost. Et pour avoir SpyGhost, il faut aller sur le site SpyGhost MC. Donc voilà, Open Classroom. Donc sinon, si vous n'avez pas où apprendre le Java, donc c'est le site parfait hein, pour apprendre le Java. Et d'autres choses aussi, il y a plein de domaines sur Open Classroom. Franchement, je vous conseille ce site si vous ne me connaissez pas déjà. Sur SpyGhost MC, donc vous retrouverez donc ce site donc. Et donc vous irez dans Download et vous irez dans BungeeCorp. Et non, pas dans BungeeCorp, pardon, vous irez dans SpyGhost Build Tools. Et ça vous mettra sur une page comme ça. Et donc vous cliquerez sur Build Tools. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Et donc vous allez le mettre dans un dossier. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis dans un dossier. Et ensuite vous allez ouvrir un bash. Donc comme ça, donc j'ai fait mes petits tests avant. Donc vous irez dans un bash et vous taperez CD espace le nom de votre disque dur où est le dossier, deux points. Slash, et après là vous allez mettre le chemin. Donc par exemple pour moi c'est user Thomas coding machin, donc je vais faire past, et donc tous les anti-slash vous allez transformer en slash, hop, et ensuite vous allez faire entrée, et donc là ça va vous mettre en jaune votre chemin, les deux derniers dossiers de votre chemin. Et donc ensuite ici vous allez marquer Java petit tiret jar build tools.jar. Et donc là, ensuite, quand vous ferez entrer, ça va vous faire plein d'étapes. Et donc, alors moi j'ai déjà fait et ça va prendre pas mal de temps, donc du coup je ne le refais pas. Moi je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc c'est dans. Non, c'est là. Donc, perso, plugin. Quake, je crois. Non, c'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Non. Où est-ce que je l'ai mis? Forcément, être là. Je ne sais pas où il est. Bref, j'ai dû le mettre autre part. Mais donc, vous aurez un dossier, du coup, avec Build Tool. Ah, voilà, il est là. Bah, juste. Non, bah non, c'est celui que j'ai créé. Donc bon, donc vous aurez un dossier dans Build Tool et vous aurez un moment SpyGhost et vous aurez SpyGhost API. Et dans SpyGhost API, vous aurez source, donc qui peut vous être utile sur Eclipse si un certain problème que je montrerai en vidéo bonus entre guillemets. Et ensuite vous avez target et donc là vous avez deux points jar. Alors personnellement moi, donc j'ai la version pour la 1.10.2. Le point jar normal ne fonctionne pas, il y a un problème. Donc, du coup, vous utilisez le. Si ça ne marche pas comme moi, vous utilisez le shaded. Et donc, on va pouvoir passer sur IDEA, du coup.
Donc, vous allez créer un nouveau projet. Donc, en cliquant sur Create New Project, vous allez sélectionner Java et votre JDK. Ensuite, vous allez faire Next. Et donc là, vous allez marquer. Déjà, vous allez mettre la location. Donc, moi, c'est déjà dans Plugin. Donc, dans Project Name, vous allez mettre donc le nom de votre projet, donc de votre plugin. Moi, je vais mettre le fourre-tout, tiens. Hop, le fourre-tout, finish. Et donc là, ça va mourir ça. Donc là, vous aurez le projet à gauche. Donc vous aurez le point idea, le source, le fourre-tout.yml, etc. Donc sur idea, c'est un peu différent d'Eclipse. Donc pour ceux qui sont sur Eclipse, je vous conseille les vidéos de Gravenil Vlek, donc qui est un codeur, donc je ne connais pas, mais qui m'a appris beaucoup de choses sur les plugins. Et donc je vous conseille vivement ces vidéos qui sont sur Eclipse. Donc moi du coup je ferai la version IDEA. Donc maintenant, donc avec votre projet, vous allez aller dans File, Project Structure, et donc vous allez aller dans Librairies en premier temps. Vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez aller dans Java, et donc là vous allez aller chercher votre Spigot. Donc d'ailleurs celui-là, faut que je supprime parce qu'à chaque fois ça me fait, c'est une feinte en réalité. Donc Spigot API, Target, et moi je vais prendre le Shaded. Donc je vais faire OK. Et donc là c'est bon. Là vous avez apporté de la librairies. Ensuite vous allez aller dans Artifact, Jar, From Module with Dependencies. Vous allez faire OK. Et donc là, Extracted Spigot API, blablabla. Vous allez l'enlever en cliquant sur le moins. Et donc là vous allez pouvoir faire OK. Et donc là, vous allez pouvoir coder votre plugin. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc ça, c'est vraiment les bases et les prérequis. Donc dans le prochain épisode, nous allons voir comment écrire la base du plugin avec les premières commandes. Et donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Zom et à la prochaine. Salut!